Anga fintilakaw ka ɲɛmɔgɔ ko k'u bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ kunun n'o bɛnna septembre kalo tile 20 ma ko fɛn min ye an ka maramafɛn cɛjugu ye sa olu kɔni ye bonni kɛ ka ɲɛsin terroristes ka dogoyɔrɔ fila ma Murujan mara la. Les observations confirment la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels. Ko kɔlɔsili min kɛra nin gosili kɔfɛ ko o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye terroristes cɛla ye mɔgɔ bi saba a ɲɔgɔn olu kɔni olu bɔra baara la. La recherche et la traque des terroristes continuent, une nuit nous vaincrons. Ko fɛn min ɲinini ani terroristes gɛnni kɔni ale bɛ to sen na. Ko ni an tora ɲɔgɔn bolo siga t'a la fɛn min sebagaya ye an b'o sɔrɔ. Ni ye communiqué min ni a bɔra an ka fintigilakaw yɔrɔ ka bɛn bi septembre kalo tile 20 ani kelen ma san 2024. Nin waati na président Assimi Goïta an b'ale ka discours k'ale lamɛn o la ka sɔrɔ ka a bayɛlɛma aw ye. An ka taa vidéo a y'a aimé ka partager ka cœur caman bila. Malien, mes chers compatriotes, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous à la veille de la célébration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Président Goko Anisson Djalembe, Agnès Auma Chouna, Kalla Selike Aouye, Kassangani, Malika Yerma Horonya, Amena Do. O san bi wɔɔrɔ ni naani min kɔnɔna la u ɲɛkɔrɔla la o la ko nisɔndiya don hɛrɛ don ale ma ka kuma aw fɛ. Le 22 septembre est gravé dans notre mémoire collective comme le jour où le peuple malien a décidé de mettre fin à la domination coloniale en proclamant le nouvel état libre du Mali. Ko fɛn min 22 septembre ye ko a bɛ an bɛɛ lajɛlen hakili la. C'est-à-dire a bɛna fɔ a nɔrɔlen ma hakili la a sɛbɛnnen b'a bɛɛ lajɛlen hakili la i n'a fɔ don min ni an y'a kanu ka jɔnya juru k'o tigɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ka bɔ jɔnya kɔnɔna la. En ce moment solennel, je rends un vibrant hommage au père de l'indépendance avec à la tête le président Modibo Keïta. Ko nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔna la a bɛ bonyamasegin fɔli kɛ ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye an ka indépendance kɛlɛ k'a tu tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ɲɛmɔgɔya la ni o ye président Modibo Keïta ye. Cet hommage revêt une signification toute particulière au moment où le Mali est engagé dans la reconquête de sa véritable souveraineté. Ko o bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o bɛ ka kɛ ka ɲɛsin an ka indépendance a denfaya tabaw ma k'o bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛnnen ye tɔgɔmasere b'o kɔnɔna la surtout ka bɛn waati min ma ni Mali bɛ wulikajɔ la walasa ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o dafa. Nous devons suivre résolument la voie tracée il y a 64 ans. Je m'incline également. Ko sira min bɛ yen nɔ ni ale bɔra ɲinan ye a san 64 ye o sira in ko an kan ka o sira in de minɛ. Devant la mémoire et celle et ceux qui ont consenti les sacrifices ultimes pour la patrie. Ko a bɛ a suli mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u yɛrɛ di walasa an filɛ nin ye don min na an bɛ se k'a sɔrɔ ka tanga tasi bila kɛ ka ɲɛsin olu ma. Olu ka o baara u ka yɛrɛ di faso ye ka o fo k'o waleɲuman dɔn. Wa fɛn min ye ba maliba denw ko badabada waleɲuman dɔn u n'o kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔw ma. Malien, malien, mes chers compatriotes, la commémoration de notre indépendance est une occasion précieuse de se rappeler les efforts constants de notre peuple en vue de l'édification d'un État fort et d'une nation prospère. Malien, ko fɛn min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya hakili jigin ni o don na n'o don sera o ye waati ye ka hakili fana jigin Malien jamana in denw
bika wulika jom minke. Ubika degumini sege minke. Walasa anga lanyini nyeta. Ubi sabati toko mina. Sur les instructions, le gouvernement a, pour sa part, poursuivi les actions pour la satisfaction des besoins de nos populations dans plusieurs domaines. Ko aleka yamara konala, ko gouvernement est wulika joke, wulika jomunu ni alanyini, hamuna ko munu bi maliona, akera fan fayin, o hamuna ko biseka tabalato mna, fero biseka tige baro biseka ke walasa, o hamuna ko nunu, baro bika sababu ya ka ulu bela jelen no ya togo mna. Malien, mes chers compatriotes, la question sécuritaire demeure la préoccupation prioritaire du peuple malien. Ko malien, amero mne na fobi, ko femye lakana ko, ode kele no malien jorona ko folo folo e bi, o hamna ko folo folo e bi, o kala njini folo folo e bi. Cette année, notre fête nationale est célébrée dans un contexte marqué par la grande opération stratégique et reprise de terrain. Ko nina ta hokumu konna la, nina anga 22 septembre kera hokumu konna la wye, femye jamana ere, abu wulega jo bamina, aye fere bamu nuntike, ka wulega jo bamu nunke, wala sa jamana fantan nani bela jeli miseka segi ama tukumina, jamana fantan nani bela jeli miseka lakana tukumina. Kondi parle fama e vizan a restore l'intégrité territoriale du pays. O wulega joba nunu mi ni anyamoga bi anga finti la kao bolo na la nyini ka jamana fantan nan bela jeli mene. E ale debrasi definitivement de la menace terroriste. Mene ni ala nyini mi wala sa femye jatikali wale kele jatikali wale bara ka oko ka je ka bo anga jamana konna la pepe ko franka bo anga jamana konna la pepe ko. Les forces armées et de sécurité ont en effet mené des opérations de stabilisation et de reconstruction dans les régions reprises. Kofé mianga fintik la kawe kwe wuliga jo chamanke. Ani lakana ni baraw. Anka jamana famu numbe non ne anye ulumbine jugula. Permettant ainsi le retour progressif des services publics, des écoles et des infrastructures essentielles. Omi no kera sababu yae. Kato femye jamana chake bondaw ulu ka seka segi kataka anka dugu minu naya mine chenikolo ulu konna la wala sa femye kalan kalanso bi seka segi kata togo mina kene so bi seka segi kata togo mina jamana don yere mmago nye chake da woro fana bi seka segi togo mina. Ce succès remarquable résulte de la coordination des opérations militaires et du redéploiement des forces Aber, Kessalit, Anifis, Hidal et Avelo. Des écoles et des infrastructures essentielles. Ce succès remarquable résulte de la coordination des opérations militaires et du redéploiement des forces Aber, Kessalit, Anifis, Hidal et Avelo. Ko femye ni sewali bayi. Ko a sababu kera. Femye anga fintigila kawe wuleka joba minke. No kera sababu yae. Ni jamana kwa ni segira kata. Kansigi ber. Kansigi tesalit. Kansigi kidal. Ani kansigi agelhok. Ako fintigila kawe wuleka jo. Ode kera sababu yae ni ansigira kataka ni ndukunu nubela jelembene. Ko ode kera sababu yae ni anye ni sewaba nunusoro. Les attaques terroristes survenues le mardi 17 septembre dernier nous rappellent une fois de plus l'impérieuse nécessité de demeurer vigilant et de maintenir une posture opérationnelle exemplaire. Kofé mié, bingane wale mounou taraka nga jamana sagere, septembre kalo kletan an woulon fla tarata, koba yirana alisan, kale nkonna la, jate mine de fanga kanka bunya kosobe, wa anye ni sira munu fanata ni ubika sababe ka anga jamana dele. Ka jatigali wale kalala wakulu gen.
o sirany angato o feneka alisa ko toboto kosobe femiye alisa kolosili konnal en toute circonstance kolosili mi ni o kanga ke bada bada watibe en maintenant devant la mémoire les innocents lâchement assassinés lors de cette agression barbare j'adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés ko abe tashi blake ka nyashi mo munun tura abingani wale na minkara tarata temene waka tlaka duwa udunke minun banana alaka kene ando ya uye salut le professionnalisme et forte intervention katlaka anka jamana tintigala kam munun ye awulika joke ka sunal dunke ko kulu fana fo ka barake to nyuma anuka baranya dona malien Mes chers compatriotes, les efforts d'investissement continuent dans le cadre de l'acquisition d'équipements militaires et des réformes pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes afin de renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de sécurité. Par ailleurs, la mutualisation des capacités et le soutien au personnel dans le cadre de la Confédération des États du Sahel se poursuit. Malienne, Malien, mes chers compatriotes, dans le but de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions, notamment l'institution judiciaire, notre justice s'est largement adaptée au contexte de lutte contre l'impunité avec la création de nouvelles structures. Ko femiya anka jamana sharia bunda barakelo fane ulu fane ye baraklo blasenga bara mununba to ame sira mununka ame kele mununa la nyine mununbe ana ulu ni sharia bisaka kunklina pa klinta to won majeur comme la lecture du code pénal du code de procédure pénale ainsi que l'adoption par le conseil des ministres du projet d'ordonnance portant statut de la magistrature vise à rendre la justice plus efficace, accessible et respectueuse des droits des citoyens. Ko ode hukumu konna la code pénal kurami ni o barabe code de procédure kurami ni o fana barabe lu koni daba kunde wala sa sharia abiseka tige hukumu konna la hukumu ni abe jamana dum bela jelenga hakeka kolosi ka toboto anika bela jelen blaka hakeka kono tugamina Malienne, Malien, mes chers compatriotes, je salue la résilience du peuple malien qui reste digne malgré un contexte économique difficile. Koka Malien Bela Jelenfo, ou comme nous, Anouka Sabalila, Kabi Malien Bela Jelenfo, Kabonya Masegi, Kem Malien Bela Jelen, ou Kachayala, Sabla, Kodon Gelera Toto. Wati naka gelabe ko nuka gelabe ko malion sonaka to horen kono no sonaka to dambe konnala ko abi malion fu ula kosobe ko fu ka chesirla ko fu ka munyunu ka saballa wa ko fu fana sabla uturu kanka gelana tabe deguna tabe turu kanka utura faso kanuka srami fana namboka uturuka avec Malion Fou, qu'on va le demander au là. Les autorités de la transition travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Qu'on fait mes transitions à Niamoroui, qu'on veut que Bara Bela Djeleneke, voilà sa Malion Ka, Nyanamaya Bissaka ou Boulou la fière Tromina, voilà sa Nyanamaya Bika Hukum Mounou Kornala, Hukum Mounou Minoya Tromina. O ko femi jamana nyemgo ye kubi ka bara bake uluka uliga jola ulula cependant il est important de rappeler que notre économie subit l'impact des crises sécuritaires qui ont conduit à l'augmentation des dépenses militaires malienne malien mes chers compatriotes je salue la résilience du peuple malien qui reste digne malgré un contexte économique difficile.
Les auteurs de la transition travaillent inlassablement pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble de nos concitoyens. Cependant, il est important de rappeler que notre économie subit l'impact des crises sécuritaires qui ont conduit à l'augmentation des dépenses militaires au détriment. Quand on a connu Tabe, à quelqu'un en a hâclé toi là, ça voulait faire mine la canabalia gela mimbe. O kera sababu ye ka dadigi kɛ an ka jamana sɔrɔ la kosɛbɛ. Sabula o lakana baliya kɛra sababu ye fɛn min ye musaka caman ye o de bɛ don kɛlɛ la. Cependant, il est important de rappeler que notre économie subit l'impact des crises sécuritaires qui ont conduit à l'augmentation des dépenses militaires au détriment d'autres secteurs. Malgré ces défis, notre pays a maintenu une gestion efficiente des finances publiques. Ko, o gɛlɛw n'a taw ta bɛ, ko an ka jamana sera ka, an ka sɔrɔ, an ka musaka bɔ, an ka dépenses, ko ka koron ka bɛ. Maîtrisant l'inflation en dessous de la norme communautaire de 3%. An sera fana, fɛn min ye gɛlɛyaba minnu bɛ na n'o bɛ kɛ sababu ye ka sɔngɔw gɛlɛya. Ka feerew gɛlɛya ka sanuw gɛlɛya o ko nka ko jamana sera ka koronin kɛ walasa bɛrɛ bɛnnin bɛ se ka kɛ jamana ma ka tila ka sɔn nɔgɔya kɛ jamanadenw fana walasa o gɛlɛyaba ninnu jamanadenw kana santi kosɛbɛ. Au 31 juillet 2024, les recouvrements effectués par les structures de recettes se sont établis à 1291 milliards. Dans le même temps, ko sɔrɔ boloma ko fo kana se ka daminɛ san daminɛ la ka se juye kalo tile 31 ma ko an ka jamana sera ka kasabi min kɛrɛnkɛrɛn an sera ka sɔrɔ min kɛ an sera ka nafolo min sɔrɔ ka sababuya kɛ an bɛ takisi minnu kɛ duwanju bɛ na ni min ye an'o ko olu sɔrɔ sera ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari ba kelen ani kɛmɛ fila ani bi kɔnɔntɔ ani kelen na. Trésor a mobilisé sur le marché financier régional un montant total de 479 milliards de francs CFA. Ko fana kɔfɛ ko fɛn min an ka trésor fana ale fana ye wulikajɔ kɛ walasa suguba min dayɛlɛlen don o kɔrɔ ye jumɛn jamanaw mago bɛ jɔ musakaw la o mago bɛ jɔ wariw la o mago bɛ jɔ kasabiw la u bɛ wuli u bɛ taa kasabiw ɲini ɔ ko kasabi ɲini yɔrɔ fana la. Ko fɛn min y'an ka trésor ye a sera ka kasabi min sɔrɔ ka na ni a ye ko fana bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 449 ɲɔgɔn na nin bɛɛ kun ye jumɛn walasa maliyɛnw mago bɛ fɛn minnu na an kan ka wari don fɛn minnu na jamana kan ka baara minnu kɛ jamanadenw ka magoɲɛko ani jamanadenw magow olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o dun tɛ ɲɛnabɔ ni kasabi tɛ o tɛ ɲɛnabɔ ni musaka tɛ o la jamana sera ka taga min ɲini ka na ni a ye a y'a da don o de la sɔn k'o fɔ. Malgré un contexte caractérisé par une augmentation des coûts de financement et une tension de liquidité dans l'Union, toutes choses qui témoignent de la confiance des investisseurs en la signature du Mali. Ko oko imbi ayira kafo ko malgré que gelea ube oba ayira kafo ko munumbe no nubi ni kasabi mbo bref oba ayira kafo alisa ko jema dale no Mali la. Jema dalen no Mali bolo nola jema dalen no makana wa jema matigana sabla ni mɔgɔ min tigari la ni mɔgɔ min ma dayela o ti sɔn ka juru don la o ni a ye mɔgɔ bi sɔn ka juru don la fo kana se nin bɛɛ ma o kɔrɔ ye alisa o danaya b'i kan. Les ressources transférées aux collectivités territoriales s'élèvent à 440 milliards de francs CFA en 2024 contre environ 412 milliards de francs CFA en 2023, soit une hausse de 6,82%. Par ailleurs, pour assurer un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé, sur la période du 1er septembre 2023 au 31 juillet 2024, les exonérations des droits et taxes accordées aux cordons douaniers se sont chiffrées
à plus de 274 milliards de francs CFA. Ko wala sa jamana do museka u da balo soro jamana do mogo bi jo fem folo folo mun na wala sa ka se ka balo soro o suma ma fem o balo ma fem ko ka damne septembre la 2023 ka se jue kalo la 2024 o konna la ko feme jamana e ay sonoya minke ay jeni minke na fo doin srafe ay exoneration mununke ko lutaru yera soro fo milliards kemen fla ani bilon fla ani nanna kore ko jamana jena o de ko adola jamana o de do ala wala sa anga nyow anga malo anga dadun fon olu songo akana se ka dansago akana se ka damateme akana se ka ta yoro la yoro mi ni ambe dese milliards kemen fla ani bilon fla ani nanni jamana jena o de ko mi bato ammo gnye fin folo folo a chamana dadun fon tobli rati tamunun ko aramade rati tamunun ko anga nyana ma rati ta famunun ko ola jamana ye afo duanya uye sirati uye o ka jeni kasabi ko wala sa o lu bi se kan nokoya o re kara sababu ye peru matu ye rasoro ni bodola 70% des recettes réalisées au cours de la période concernée. Je salue l'ensemble des acteurs qui contribuent aux efforts de développement économique, notamment sur les secteurs rural, industriel, du commerce, des services et de l'artisanat. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, en 2024, le recensement général agricole a été lancé ouvrant la voie à la digitalisation des exploitations. Les aménagements hydro-agricoles se poursuivent pour exploiter durablement le potentiel des fleuves Niger et Sénégal. Le gouvernement renforce l'approvisionnement en intrants et réajuste le prix du coton graine et développe la recherche agricole pour améliorer les semences. Malgré les défis, des mesures sont prévues, dont la promotion des méthodes alternatives, l'élaboration d'une loi pour les investissements agricoles et la création de pôles agro-industriels. Ces actions témoignent de notre engagement pour un Mali agricole résilient et prospère. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, dans le domaine de la santé et du développement social, des efforts ont été consentis pour améliorer l'accessibilité des services de santé à la population, à travers la construction ou la réhabilitation ainsi que l'équipement de plusieurs infrastructures sanitaires. Par ailleurs, des actions de solidarité et de lutte contre l'exclusion ont été menées en direction de nos populations vivant dans la précarité ou frappées par des crises de diverses natures. Conscient du rôle de la jeunesse dans la construction nationale, les auteurs de la transition ne ménagent aucun effort pour qu'elle soit en bonne santé, bien formée et en l'amour de la patrie, et capable d'accomplir toutes les actions de développement et de défense de la patrie. Dans le domaine de l'éducation, l'État a consenti des efforts importants pour construire ou rénover les établissements d'enseignement fondamental et secondaire, dont je salue la bonne organisation des examens de fin d'année. Au niveau de l'enseignement supérieur, la construction du centre d'intelligence artificielle et de robotique se poursuit. L'Université de Sikasso à accueillir ses premiers étudiants. Les actions sont en cours pour l'opérationnalisation des universités de Gao, Tomoutou, Kaïr et Bajangara. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, dans le but de renforcer les capacités de nos structures publiques et d'améliorer l'offre des services rendus aux populations, il a été procédé
Au titre de l'année 2023, au recrutement de 1417 agents, également, 776 nouveaux fonctionnaires seront recrutés au titre de l'exercice budgétaire 2024. Sisoko, fait mes présents qu'à discours ambe à Johnny Yorolabi. Nyala sona machini. Anato kala, anato lame, anato nyefo. Onga yani siniche. Gouvernement e bara deke kunu barami ni aene marke. Gouvernement kono ministri minyake ouye. Ministri minye shini ndo. Malye munu sigli ndo kofe. Ani farafina vese ka do dakilin fe ka bo dakilin fe tuku minu. No ye ministre de Malien de l'extérieur an intégration africaine. Moussa Ag Atayar. Tukwa mina, mimbe ato. Anga tungarenge munu mi kofe. Wala sa ubiseka sigi kana jamana inkono tukwa mina kanu sigi ya kufere. Kuka barake, kuka donia bla jamana ka servisi la. Minu fana beno ni olu sigira kana jamana inkono la. Olu fana ka sigili kana ke sababu yae. Ka tou la salia sigili la sabula. Minu nye sirata ka fakubi sigi kana su kanu sigi jamana inkono ka barake. Ni olu desara ko olu sege foka tla ka tra olu mogo jo tungala ta la tuguni abeka sababu ya minu mi kofe olu farbe faka wala sa ukana ke ministeri ya kanuka program do blasinga program mbato tungaranke obi sega sege kana tuga mna kanu sege jamana bu deme obi barake afanflana minu fana segera kolu fana deme uye bara munu damne bara nunu kana na chinye ubulu. Ore la kunu, ministère de Malien de l'extérieur konala. Remise de chèque symbolique dokera. Ministère kasabi krenkerenen do di Malien do ma Malien mi. Ni akun sigile no Saoudia jamanaka. Onga ni yen sigi gelera bolo. Na obligera ka sigi kana malla kana sigia. A sigile kana sigi malla. Akun mere suran baro deke no ye sogo fere. O hukum konna la ay geleya soro gele mi nak mun ke sababu ni baran yere kum na jo o ni baran du jora abike sababu amna nyeshi tungala tare matuguni ni baran jora abike sababu minu yere be no lu tara tunga fe sigilis ranya bulumne asalia bulumne ministri ya kanu ka deme mimba to bara mi se ka continue to ramina kanyinga amogo be mine mununa amogo be demen suku mina mi bato bara mi se ka continue c'est ce que million saba nyokonte hein million saba o drama aka continue ka bara inke na jo atna da ale drama de projet worobe mogorobe no lu fana kanka accompagner jamana fe onga kasabi nditola ministri ya kanu ka conseil do faraka ka jamana ka lanyini do faraka c'est ce que ango lanyini nunu lame am tla ka segi ku bayla ma ab 4 moutons 3 moutons par jour c'est pour que vous en fassiez 10 parce que c'est en ce moment que votre entreprise aura tout son sens. La deuxième chose c'est que derrière l'accompagnement nous souhaitons que les migrants aident les migrants de retour aident les migrants. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez besoin, si vous employez 4 personnes, la priorité, il faut la donner aux migrants. Ceux qui sont comme vous, mais qui n'ont pas eu la même chance que vous. À ce niveau-là également, vraiment, il est extrêmement important que cette chaîne de solidarité entre migrants et réfugiés se précise dans l'emploi. Si vous utilisez 5 personnes dans votre restaurant, si vous voulez vraiment nous convaincre, c'est qu'on trouve 3 personnes parmi elles qui soient des migrants. C'est au moins votre projet aura le double bénéfice de vous avoir aidé à réussir, mais d'aider aussi des migrants comme vous à sortir des difficultés. Là aussi, nous allons veiller et on pourrait aussi vous aider peut-être à cibler des gens pour qualifier ou à former des gens pour qu'ils soient dans votre restaurant et qu'ils vous apportent. Maranda
o namanya kafo ekoni esigira kana kana isigi jamana bi deme o o deme konala fo efanaka tuwaranke to deme munu fana sigira kana iki jija ika barai munu sigira kana anyedo mi mo munu na ikolu fana ta olu faraika wala sa barai abisha ka continue sabula ni eyoke avec sababu ye e bi continue munu fana sigira kana olu fana bi bara soro e sababu yal donc jamana bi deme ifanaka tuwaranke to deme ni mo duru tay jija doga ke ala minu beno ni oye minu nana ka bo kofe kore jume e basro malen chama sigira kana ebna ni bara minke malen chama sigira kana a bara nye dombi olula olu do taka faraika ika bara inke wala no kera jamana ye deme e fana be ka sababu ye ka tungaranke to deme anga tungarange chama mbe no segeli kadu yoko wala segeli kadu ye wa chama yere segira kana ulu binyini ka nimisa uka segeli la o nin deme mike sababu ye o bato ulu tena natable tungala ta nofe minu ntara ulu fana bina nata segeli nofe paske jamara bina wasado ulu fana la e itara tunga fe iye keme soro iwe feka segeli na bara minke keme nani ndo ni jamana ye deme ka keme faraka ka ke keme flaye ibori nola de ni e barake alaba ibi keme nani soro de sabla ni anya tabi ka laje deme fon fembi do mali kono farafina kono bi bang mondiali wo fmi wo jamana wore wo deme wo edi publiko fon fembi do jamana en kono anka tungaranke ka deme wari ka chanka tema bega ube mindi san kono ni to bela jelen ka santan de meta yo sura nga tungaranke ka sankelembe abo o ni projet mi mi nga tungaranke encourager mi mbu farifoni ni projet mi mbe ato nu ka nu sigira ka nu sigi abu nafa abi jamana fana nafa wa anga competence o lu fana be sigi kana jamana kornala sizo ko bi la be amta turu kelenga ni oreno